deuxième session sur cette 3.18 et malgré les bugs et autres monstruosités qu'apporte cette mise à jour, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Monsieur ? Monsieur ! Arrêtez-vous ! Est-ce que j'assiste à un kidnapping devant mes yeux ? Revenez tout de suite ! Je dois dire que je suis très agréablement surpris de voir les effets de la persistance et du soft death sur mon quotidien. À vrai dire, j'ai déjà attenté la vie de mon personnage juste pour l'adrénaline d'un crash. Wouah, trop stylé ! Promis, je le referai pas. Non, ok, j'avoue, je recommencerai dès que l'occasion se présentera. Je sais pas si je vais réussir à trouver des vidéos de moi qui simulent un crash il y a plus d'un ou deux ans, tellement je trouvais ça cool. Donc maintenant on peut le faire en vrai, ça se fait de manière organique dans le jeu et ça c'est incroyable. C'est devenu la réalité et honnêtement c'est fou comment en termes d'immersion Star Citizen arrive à nous emmener toujours plus loin. Mais je m'égare, on a déjà parlé des crashs la dernière vidéo, concentre-nous sur cette deuxième session. Après avoir vu les atrocités et un mec sortir des corps des épaves pour les looter, c'était vraiment lunaire. Alors petit conseil, tu le prends ou tu le prends pas, mais je te conseillerais de vite remettre ton casque. Y a pas d'atmosphère là. Bon, trop tard, j'aurais essayé, hein. T'es pas le couteau le plus aiguisé de la tirelire, toi, hein. Est-ce que c'était ses anciens corps ? Pourquoi est-ce qu'il y a un cimetière entier ici ? Honnêtement, j'en sais rien et j'étais un peu trop terrifié de connaître la réponse. Et après avoir galéré encore 45 minutes pour sortir un vaisseau, j'ai eu à peine le temps de sortir de la zone d'armistice de Grimex que j'aperçois un vaisseau inhabité. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ça ? Évidemment, ça aurait été trop simple. Ouvre-toi ! Ok, tu veux jouer à ça. Alors, c'est qui le plus malin maintenant ? Bon, en vérité, pas de quoi être fier, j'ai juste réussi à ouvrir une porte. Mais on est tellement en immersion totale que le moindre succès nous balance une dose de dopamine dans le cerveau, c'est incroyable. Ok, maintenant qu'on est dedans, comme j'aime bien tester des vaisseaux que je possède pas, je laisse mon Aurora et j'emprunte celui-ci. Bon, si vous avez vu ma dernière vidéo ou remarqué ma cramstat en haut à droite, vous savez que je suis un pirate. C'est comme les étoiles dans GTA, donc là, à tout moment, il y a des PNJ ou des joueurs qui vont venir me casser la gueule. Et autant vous dire que je suis nul, mais nul comme pas possible, au combat en vaisseau. Et en plus, dans un C8X, j'ai littéralement aucune chance. Mais d'avoir de la cramstat, ça veut également dire que j'ai pas accès aux missions que j'effectue habituellement. Et ça, c'est un peu galère pour moi. Donc, on va prendre une des rares auxquelles j'ai accès. Et là, il se trouve que c'est une mission de mercenaire où je dois éliminer un mec en vaisseau. Et si vous vous demandez, est-ce que je vais vaincre ce PNJ ? La réponse est évidemment... non. C'était un échec cuisant. Pour ma défense, les missiles m'avaient clairement loupé. En tout cas, visuellement. Alors oui, évidemment, troisième personne, c'est la pire idée. Mais que voulez-vous ? Le journaliste en moi souhaite prendre les meilleures images possibles. Mais cette mort était évidemment scriptée pour le bien de cette vidéo. Comment ça, vous me croyez pas ? Bon, blague à part, en revenant un peu plus armé, j'ai pu retourner voir la carcasse de mon vaisseau et mon corps. Tiens, j'ai l'impression que mon vaisseau, il a pas explosé. Je vais aller voir ça un peu plus près. Je suis mort, mon personnage, le corps de mon personnage n'a absolument aucune dignité. Genre, ça se voit qu'il est mort, mais pas dignement, quoi. Bon, je vais récupérer mon petit medpen, mon gun médical. Alors, autant le corps, on pouvait le retrouver même avant la 3.18, mais c'était pas le cas pour le vaisseau. Ce qui veut dire que si j'avais une cargaison dans mon vaisseau, je pourrais la retrouver, la récupérer, et ça, c'est une des grosses nouveautés. Et ça, ça devrait vous intéresser autant si vous êtes la victime que le pirate. Et si ça s'applique à votre vaisseau, bah devinez quoi, ça s'applique bien évidemment aussi aux autres. Regardez le Herald, c'était mon vaisseau cible. Je sais que ça a pas l'air impressionnant, mais je trouve ça tellement cool. D'habitude, les vaisseaux, ils disparaissent direct. Est-ce que le pilote est encore vivant? Ah, ok, je croyais qu'il est mort. Ok, maintenant la question c'est, est-ce que je peux ouvrir la porte? Ok, il y a l'option. Ça s'ouvre. Putain, c'est trop cool. Ok, le mec a l'air mort, mais j'ai quand même sorti mon arme au cas où. Vous commencez à connaître la chanson « Caméra à la troisième personne ». Ok. Et je sais pas viser. C'est quoi ces bras? On dirait, vous savez, les têtes des poules là qui sont gyroscopiques. Ok, bon, je pense qu'on peut déclarer qu'il est mort. Officiellement. Alors déjà, c'est magnifique à en crever comme vision. Je trouve ça magnifique. Mais en plus, je peux monter dedans, visiter, prendre l'armure du gars et tout ce qu'il a de stocké dans son vaisseau. Bon, là évidemment, c'est un petit vaisseau de transport de data. Ce qui n'est pas encore implémenté, donc pas grand chose à voler, certes. Mais imagine un vaisseau de minage, de salvage, ou tout simplement un vaisseau de cargo qui effectue une livraison, vous pourrez tout dévaliser. Alors, je devrais pas en faire la promotion, car ça va se retourner contre moi puisque je joue pas pirate, mais vous savez quoi ? Ça rendra mon aventure plus palpitante
Et ça, c'est exactement pour ça que je joue à Star Citizen. J'ai arrêté ma session juste après, j'avais pas trop de temps pour jouer, mais je souhaitais tout de même partager un peu l'impact que ces nouveautés vont avoir sur nos sessions au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je cherche encore un peu comment éditer ces vidéos, donc n'hésitez pas à me donner du feedback sur celle-ci. J'aime bien faire un mix entre mes vidéos TikTok en voix off et en intégrant des passages en temps réel. Ça me permet de garder mon style, mais en rendant les vidéos un peu plus dynamiques. Je sais pas si c'est le seul à faire ça, mais je me suis inspiré du YouTuber anglophone Abby147, que je suis depuis des années. Fait du contenu VR, donc si vous comprenez l'anglais, je vous recommande vraiment sa chaîne, il est juste beaucoup trop drôle. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, puis moi je vous dis à la prochaine.